Bonjour et bienvenue pour ce flash sports.fr. Au sommaire, Tour de France, 16e étape, 157 km. Entre Cuneo et Josier, les CSC détiennent la clé de cette étape avec l'ascension de deux cols hors catégorie et la descente vers Josier. Et puis football, nous ferons le point sur le mercato. Le Tour de France reprend donc la route ce mardi, une 16e étape alpestre dantesque, Cuneo-Josier, 157 km et deux cols hors catégorie au programme. Le col de la Lombarde à l'entrée, 2351 mètres et 21 km d'ascension à 6,5% de moyenne. Vient ensuite le plat principal, l'ascension de la cime de la Bonnette Restefond, le col le plus haut d'Europe à 2802 mètres, 25 km à 6,5%. Avant la descente vers Josier dans les Alpes de Haute-Provence, une étape bien sûr à suivre dès 12h20 sur sports.fr. Et les CSC détiennent sans doute les clés de cette étape et de ce tour avec leurs deux cadors, Sastre et Schleck. Frank Schleck est d'ailleurs en jaune avec moins de 50 secondes d'avance sur ses 5 poursuivants, une empoignade on espère encore captivante avant l'étape de l'Alpe d'Huez demain. On termine par un point sur le mercato. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas aimerait continuer avec Sidney Govou. Benfica prête son milieu international Freddy Adu à Monaco. Chelsea courtise Robinho plutôt que Kaka. C'est bien sûr à lire sur sports.fr avec aussi la première interview de Claude Makélélé au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez bien sûr toutes ces news dans le détail sur notre site sports.fr. Je vous donne les rendez-vous live de ce mardi du tennis. Les garçons sont à Toronto. À noter qu'hier, Richard Gasquet a battu Mikael Liodra en 3-7. Aujourd'hui, ce mardi, Simon, Clément et mon fils entrent notamment en lice. Les filles sont-elles à Los Angeles? Et puis bien sûr, le Tour de France cycliste, dès 12h20, le live, 16e étape, Cuneo-Josier. Salut, à demain.